Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizons pour vous montrer toutes les nouvelles tenues de plongée. Depuis la mise à jour du 3 juillet, il est possible de plonger et d'aller dans la mer. Pour nous remercier d'avoir téléchargé la mise à jour, Nintendo nous a envoyé par courrier un colis qui contient un masque de plongée. La couleur que l'on reçoit est aléatoire, mais il peut être de couleur vert, bleu, blanc, rouge, rose ou jaune. Pour aller nager dans l'océan, on aura également besoin d'une combinaison de plongée. Pour ça, on peut s'en procurer une dans le Nook Stop en échange de points miles. On pourra échanger 500 points miles pour avoir le masque et 800 points miles pour pouvoir s'équiper de la combinaison de plongée Nook Ink. Ensuite, dans le Nook Shopping, on pourra s'acheter une combinaison de plongée à motif feuille au prix de 3000 clochettes. Tous les jours, sa couleur changera et il sera possible d'acheter le coloris jaune, vert, bleu ou rose. Et enfin, pour terminer notre collection, on pourra aussi s'en procurer dans le magasin de Millie et Mello. Dans cette armoire, on pourra acheter une combinaison de plongée à rayures. Elle existe en 4 coloris, et du coup il y a le noir, le rouge, le jaune et le bleu. Et voilà pour la nouvelle panoplie de baignade de juillet 2020. Perso, je trouve les combis vraiment pas terribles, j'aurais largement préféré des maillots de bain, mais peut-être que dans la seconde mise à jour qui arrive en août, on aura plus de choix. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye!